militant. C'est quelqu'un qui est engagé, qui a envie de vivre debout comme citoyenne, qui a envie de dire son mot dans sa vie, au sens large, qui a envie que tout le monde ait la même chance peut-être, parce que tout le monde n'a pas la même chance, qui a envie de travailler pour que tout le monde ait cette chance-là aussi, d'avoir une vie qui a de l'allure, d'avoir une vie où on est éduqué, d'avoir une vie où on est capable de travailler dans le domaine qu'on souhaite, qu'on a une vie qui fait que nos enfants n'iront pas à l'école le ventre vide, qui a envie de décider qui va gouverner, qui a envie de décider comment je me vois comme travailleuse, comme professionnelle, et que je vais travailler à ce que les autres aient ce regard qui soit correct sur moi, à ce que les autres aient un regard correct aussi sur ceux qui ont moins de chance que moi, que les autres aussi aient envie de partager avec ceux qui ont moins de chance, qu'on a envie d'entendre aussi ceux qui ont moins de chance, qu'on a envie d'entendre ce qu'ils ont à nous dire, qui est extrêmement important, parce qu'ils sont dans la survie au quotidien. Fait qu'ils ont des choses à nous apprendre. Alors, comment on s'ouvre? Cette militante-là, militant, bien, c'est quelqu'un qui ne peut pas rester assis sur ses lauriers. C'est quelqu'un qui ne voit pas que ce qui arrive, c'est inéluctable, on ne peut rien faire. Ça ne marche pas avec être militante et militant. Il y a toujours quelque chose qu'il faut essayer, toujours. C'est quelqu'un qui a évidemment qui a des valeurs de justice, des valeurs d'égalité, qui a envie que la société dans laquelle elle ou il vit, ben, ça peut-tu être agréable? T'sais, on a juste une vie, on peut-tu militer pour qu'elle soit le fun, notre vie? C'est ça. Puis je ne sais pas d'où ça vient, cette idée de parce qu'on lutte, parce qu'on se bat, faut que ce soit sérieux et pénible. Pas du tout. Tant qu'à faire, tant qu'à vivre, tant qu'à se battre, tant qu'à manger des claques parce qu'on s'est battu, tant qu'à avoir des lois matraques parce qu'on s'est battu, une chance qu'on a du fun avec ça. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Moi, je suis pour, on lutte, on est sérieuse, on est rigoureuse, mais bon Dieu qu'il faut avoir du fun. Oui. Il y a beaucoup dans mon parcours, comme beaucoup de monde, ça vient de mon éducation, des parents, de mes parents. Déjà à l'école secondaire, j'étais dans une petite équipe qui revendiquait genre, on ne veut plus porter d'uniforme. J'ai choisi d'aller faire mon cours d'infirmière au Cégep du Vieux-Montréal. J'ai choisi le Vieux-Montréal parce que j'entendais parler que c'était un cégep contestataire. Je voulais étudier sérieusement, mais je voulais aussi avoir beaucoup de plaisir. Je ne voulais pas passer 3 ans juste à étudier. Et je me suis dit, au Cégep du Vieux-Montréal, ça va brasser un peu de temps en temps, c'est parfait. Et c'est ça qui s'est passé. Et quand je suis arrivée à l'hôpital comme infirmière, ça faisait quelques années que j'étais infirmière et j'ai trouvé, je travaillais de nuit, et à un moment donné, j'ai trouvé qu'il y avait comme une injustice au niveau de mes vacances. Je me disais, voyons, comment ça fait qu'il y a une autre qui est arrivée après moi, puis là, quelqu'un avait changé mes vacances que j'avais choisies. Et là, j'étais furieuse, j'ai passé la nuit furieuse, et le matin, il y a une collègue avec qui j'avais plus d'échanges, qui, elle, travaillait 2 jours. Puis j'ai dit, comment ça se fait, comment ça marche? Elle me dit, garde, tu peux bien m'en parler jusqu'au lendemain matin, mais il y a une place qui s'appelle le syndicat, va voir, puis c'est eux autres qui défendent nos droits. Ce que j'ai fait après une nuit de travail et une nuit où la colère revenait de temps en temps, je suis allée au bureau syndical, je suis rentrée là en leur disant que ça n'avait pas de bon sens, puis voici, et que c'était pas correct et tout. Ils m'ont dit « Oui, tu as raison, tu peux t'asseoir calmement, nous l'expliquer, et on va t'expliquer comment ça fonctionne. » Et j'ai gagné mon point, j'ai eu les vacances auxquelles j'avais droit, les vacances que j'avais choisies. Et j'ai commencé à comprendre le principe de l'ancienneté. Et à partir de ce moment-là, je suis allée maintenant dans les réunions syndicales. Je portais attention quand les choses étaient affichées. Et quand on commence à aller dans les réunions syndicales, on se rend compte de ce qui se passe là, qu'on parle des problèmes qui touchent tout le monde ou certains groupes. On comprend comment on a une petite équipe qui gère les choses, qui parle avec l'employeur. On comprend un processus démocratique. On comprend comment est-ce qu'on peut apporter, nous autres, pas juste des problèmes, mais aussi des solutions, comment on pourrait les régler pour nous autres sur le terrain. Et voilà, j'ai jamais lâché le syndicat depuis ce temps-là. Non, je suis pas maline parce que je dis toujours ce que je vais faire. Puis après ça, je fais ce que j'ai dit, par exemple. Mais j'ai été élevée par une mère qui nous a toujours dit « Qui se fait plat comme un ver de terre ne doit pas se surprendre qu'on lui marche dessus. » Ça m'est resté et ça va me rester toute ma vie. Alors, je ne veux pas qu'on me marche sur les pieds et je ne marche pas sur les pieds des autres non plus. Je veux que les choses se fassent avec respect, dans un esprit de justice. Je veux que ce soit ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. J'ai horreur des passe-droits, des privilèges qui n'ont pas rapport. Ça, je suis incapable. Donc, c'est pour ça probablement que je me suis sentie tellement bien dans le milieu syndical. Et en plus, j'ai découvert rapidement qu'il y avait un esprit de gang. Et ça, j'adore ça. Ça, vraiment, je suis bien là-dedans. Dans la petite équipe à l'hôpital où j'étais, à Santa Cabrini, ça a vite développé une espèce d'esprit d'équipe. On était 3 ou 4, pas beaucoup. Mais vraiment, ça s'est soudé parce que on discutait ensemble comment on peut régler les problèmes, comment on peut monter certains dossiers, comment on gère les choses. Fait que ça crée cet esprit de gang. Et c'est sûr qu'en gang, ben là, on se sent encore plus fort. On savait, là, même si c'était une personne qui allait rencontrer l'employeur, mais on savait qu'on en avait d'autres avec nous autres en arrière. Là. Fait que ça, c'est des choses qui m'ont plu énormément. Ouais. Pour faire du syndicat, je pense qu'il faut être en cohérence tout le temps. Alors, je fais du syndicat, quand j'écoute les nouvelles, je l'écoute avec mon âme de syndicaliste. Quand j'entends ce qui se passe ailleurs dans le monde, ce qu'on fait à des travailleurs et travailleuses, ça me touche comme syndicaliste. Je ne peux pas le regarder avec distance froidement, je ne suis pas capable. Quand j'entends qu'on parle de pauvreté, puis qu'il y a des enfants qui vont à l'école le ventre vide, ça me touche comme syndicaliste, mais ça me touche aussi comme professionnelle en soins, comme infirmière, parce que je sais que c'est un des déterminants de la santé, puis je sais ce qui va arriver à cet enfant-là. Il ne sera pas capable de faire son avant-midi parce qu'il va avoir une baisse d'énergie incroyable puis qu'il va s'endormir. Après ça, on va penser que c'est parce qu'il ne dort pas la nuit. Ce n'est pas parce qu'il ne dort pas, il a faim. Fait qu'il tombe endormi. Donc, c'est comme... je ne sais pas si c'est un mode de vie, mais c'est une façon de vivre ma vie. Puis j'ai envie de la vivre comme ça parce que je me sens vivante. Je sens que j'ai pas une obligation de résultat, mais j'ai envie de me battre pour changer les choses. Je peux pas laisser aller puis dire, ben c'est ça. Mais non, je suis pas capable. Pourquoi c'est ça? Qu'est-ce que ça me donne d'avoir une intelligence puis d'être capable de faire quelque chose si je m'en sers pas pour dire, ben je vais mettre mon petit grain de sel avec vous, avec un autre, puis avec d'autres, puis on met nos petits grains de sel ensemble, puis ça fait une gang, puis on peut essayer de changer les choses. Autrement, on va être assis, puis on va être mort, puis je serai morte depuis longtemps. Il faut déborder dans la société parce qu'on est des travailleuses, des professionnels, on est des mères ou des pères, mais on est aussi des citoyennes dans cette société-là. Parce que si je ne regarde pas l'ensemble de la société, puis comment est-ce que je voudrais qu'elle soit pour mes enfants? Comment est-ce que je pourrais dire que j'ai essayé de changer les choses? Comment je pourrais regarder mes garçons pour leur dire hey, « Moi, là, j'ai essayé telle affaire. Là. Moi, j'ai essayé de changer ça. » Fait que si on n'a pas tout réussi, maintenant, toi, prends le flambeau puis continue. Mais si j'ai rien fait, qu'est-ce que je vais dire? La journée qui me pose une question en disant « Toi, là, maman, infirmière, éduquée, tout, t'as fait quoi, toi? » Qu'est-ce que je vais lui répondre? Aujourd'hui, avec ce que j'ai fait, avec la chance de mener la vie que j'ai vécue, j'en ai des réponses. Puis après ça, je suis capable de dire « ce bout-là, ça t'appartient » parce qu'on aura... Il n'y a aucune génération qui aura tout réglé. Mais j'aurais dit « moi, j'ai fait mon bout. Maintenant, vas-y, toi. » On est un groupe très majoritairement de femmes, à plus de 92%. Alors, dans tous nos débats, régulièrement, c'est « oui, mais est-ce que... comment est-ce que, comme femme, je vis ça? Est-ce que c'est bon pour l'ensemble des femmes ou ça risque d'entraver des femmes au Québec par une décision qu'on va prendre? On a été, par exemple, très audacieuse On a fait un débat à l'époque très épidermique, mais ça s'est fait, là, c'était incroyable, quand on a pris une position pour le libre choix à l'avortement. Et à l'époque, on a pris cette décision-là, l'avortement, c'était illégal. Mais on a dit, comme professionnel et comme femme, voici comment on place notre débat. Et on a dit, comme professionnel, on ne veut pas trouver des femmes qui vont continuer d'avoir un avortement dans des mauvaises conditions, qui vont se ramasser avec des septicémies, qui vont mourir de ça. Comme professionnel, on n'a pas envie de vivre ça. Puis comme femme, on dit non, on ne veut pas que ce soit que d'autres femmes vivent ces situations-là. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à prendre certaines de nos décisions comme femme et comme professionnelle. Et quand on parle de femmes, bien, il y a une dimension sociale très large aussi, parce que là, on est comme mère. Qu'est-ce qu'on fait comme mère? Est-ce que ça nous touche? Quand on parle de conciliation travail-famille comme professionnelle, en soins, où je travaille dans un milieu qui est ouvert 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année, ça veut dire quoi pour moi comme mère? Comment est-ce que je vais aborder la conciliation travail-famille? Par des horaires stables? Par des horaires, par une compensation du fait que je travaille une fin de semaine sur deux? Comment est-ce qu'on concilie tout ça? Mais c'est pour ça que je dis, faire du syndicat, c'est une très, très grande école de vie. On en apprend tellement, là, c'est incroyable. Le sociopolitique, on était dans un conseil fédéral à Chicoutimi et on a pris le temps de faire le débat encore parce qu'il y avait des militantes et militants, particulièrement de la région de Québec, qui disaient « Notre monde, ils suivent un peu certaines radios, alors qu'ils disaient « Ça n'a pas d'affaires, les syndicats, surtout les étudiants, les syndicats n'ont pas d'affaires là-dedans. » Alors on a dit « Bien, magnifique, on va faire le débat. C'est quoi notre rôle comme syndicat? » La journée que quelqu'un va vouloir réduire notre rôle à regarder seulement un petit livre de convention collective, ça va être le début de la fin de notre mort. C'est clair, c'est clair. Si on ne fait que ça et qu'on ne change pas la société, on ne vit pas parce qu'on est des syndiqués, on ne vit pas dans une bulle seule, en dehors de la société, impossible. Fait qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on revendique ce qu'on veut, mais il faut qu'on fasse avancer la société aussi. Et ça a été un très beau débat à Chicoutimi. Super, oui. Et c'est ça, je trouve que de faire du sociopolitique, ça provoque des débats, puis des fois, on ne s'y attend pas. Puis ça fait un débat là, magnifique. Si je veux avancer et faire comprendre qu'il y a de l'argent à mettre dans le système de santé, il faut que je sois capable d'expliquer que le budget, c'est un geste politique. Il n'y a rien de plus politique qu'un budget. Alors, il faut que j'explique pourquoi un budget, c'est un choix. Chaque gouvernement fait des choix dans son budget. Il décide où il met l'argent. Alors, il faut que j'explique ça pour dire pourquoi je continue de revendiquer qu'on mette de l'argent à certains endroits dans la santé et pour être capable de défaire le discours que la santé, c'est comme si un gouffre sans fin, là, puis que c'était une affaire incontrôlable. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème, il y en a. Mais le discours alarmiste, il faut que je passe par le sociopolitique pour être capable d'expliquer pourquoi il faut faire ça. Donc, restons dans l'exemple du budget. Il faut que j'explique pourquoi un budget, c'est un choix politique. Mais pour expliquer ce choix politique, il faut que j'aille plus loin. Il faut que j'aille leur expliquer, par exemple, c'est quoi le rôle de la Banque mondiale? C'est quoi le rôle du FMI? C'est quoi le rôle de ces grandes firmes qui donnent les cotes et des cotes comme ils veulent? Il faut que j'aille expliquer pourquoi est-ce que dans des accords, comme l'accord Canada-Union européenne, pourquoi on se mêle de ça? On se mêle de ça parce qu'on a des questions sérieuses à poser. Est-ce que la santé est exclue ou pas? Ça veut dire, est-ce qu'il y a des multinationales qui vont pouvoir venir s'installer ici pour ouvrir un hôpital privé, avec les conséquences que ça peut avoir? Il faut que je sois capable d'expliquer que c'est important que j'aille mettre mon nez dans cet accord-là, parce que si on ne voit pas les impacts, par exemple, du prolongement des brevets pharmaceutiques, ça veut dire qu'on décide pendant 10 ans, 15 ans, que ça va nous coûter plus cher qu'ailleurs. Après ça, on vient nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour la santé. Donc, c'est des choix qu'on fait. Le poids des pharmaceutiques, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que j'aille expliquer, donc décortiquer pourquoi est-ce qu'on s'en mêle, pourquoi est-ce que les gouvernements font des choix et que parfois on ne comprend pas si on ne va pas fouiller. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable au Québec de faire mieux pour enrayer la pauvreté? Parce qu'on n'a pas d'argent au Québec, c'est pas vrai. Parce qu'on fait des choix. on fait des choix. Alors, pour être capable de revenir au réseau de la santé puis d'expliquer pourquoi il faut lutter et comment on lutte, bien, il faut expliquer, il faut être beaucoup plus macro, il faut aller jusqu'aux accords internationaux pour expliquer le poids que ça a sur nos gouvernements. Et pourquoi des fois ils nous disent des affaires qui n'ont pas d'allure et qu'on ne comprend pas, mais il faut aller plus loin pour les comprendre. Il faut aller plus loin pour comprendre l'idéologie. Il faut aller plus loin pour comprendre, par exemple, d'où ça vient et pourquoi est-ce qu'on est... Tout le monde pense que tout ce que... Parce que ça vient de l'Institut économique de Montréal, que c'est la foi et la vérité. Pourquoi tout le monde croit ça? Donc, il faut être capable d'amener ce genre de questionnement, puis après ça, dire, bien, voici pourquoi on va lutter. Nous, on va mettre de l'argent pour lutter contre la main-d'œuvre indépendante, les agences privées, et avec les impacts que ça peut avoir dans un court laps de temps si on ne s'en mêle pas. Donc, on n'a pas le choix de tout faire ça en même temps. Et en plus, on se dit, bien, si on laisse les agences de placement de personnel privé rentrer plus, parce que là, on revient 50 ans en arrière, où là, il n'y a pas d'horaire stable. De plus en plus, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas d'horaire forcément stable. C'est quoi la sécurité d'emploi? Alors, la stabilité, ça veut dire quoi? Aller chercher une hypothèque monoparentale avec des enfants, pas évident qu'il y a une aide de l'autre parent faramineuse. Essayez de vous négocier une hypothèque, vous allez voir le taux d'intérêt qu'ils vont vous demander, parce qu'ils n'ont pas de garantie. Donc, c'est tout ça qu'il faut décortiquer. On peut pas... On est des travailleuses, donc il faut expliquer qu'est-ce que ça veut dire, le travail. Moi, quand je donne une prestation de travail, je donne ça à qui? Puis ça fait quoi dans la société? Et quand je le lutte comme femme, bien, ça fait quoi dans la société? Prenons l'exemple de l'équité salariale. L'équité salariale, tous les syndicats se sont battus. Les groupes de femmes se sont battus. Ben oui, tout le monde disait, ben oui, c'est pour les syndiqués. Pas vrai. Pas vrai. Quand la loi de l'équité salariale est arrivée, tout le monde au Québec, toutes les entreprises, puis ils ont fait des modifications pour les petites PME, mais toutes les entreprises étaient obligées de faire un programme d'équité salariale. Et il y a des femmes, plein de femmes au Québec qui en ont profité, qui ne sont pas du tout du monde syndiqué. Alors, c'est ça que ça veut dire. On est obligé de sortir. Dans la mesure où on prend un problème puis qu'on reste dans un petit corridor restreint, à mon humble avis, on manque plein d'informations pour être capable de contrer ce discours-là. La solidarité, c'est important. Et depuis la création de la Fédération, il y a deux volets à la solidarité. Il y a, avec des groupes solidarité nationale, par exemple, on est impliqué avec la FFQ, avec au bas de l'échelle, avec les travailleurs accidentés, non syndiqués, etc. Donc, ça fait partie de nous d'être en appui avec des groupes comme ça. Et il y a une partie de solidarité internationale. Mais sur la solidarité nationale, par exemple, maintenant, beaucoup ces dernières années, avec des groupes d'âge d'or. Parce qu'il y a des problèmes que vivent les personnes âgées et qu'on a envie de les soutenir dans leurs propres revendications à eux autres, qui ne sont pas forcément des revendications de professionnels en soins, mais qui sont des revendications de citoyennes. Qui dit « j'ai honte de ce qu'on fait maintenant et je peux appuyer ce groupe-là, mettons le groupe d'âge d'or ». On les appuie par des discussions qu'on participe avec eux autres pour les aider dans certains documents qu'ils en ont besoin et ont aussi des appuis financiers parce que beaucoup de groupes communautaires ou de groupes de femmes, c'est crève la faim, là. Donc, nous, on est capable de leur fournir un soutien financier et ça de façon régulière, année après année. Le meilleur exemple de solidarité, à mon avis, ou d'éducation à la solidarité, ce qui existe à peu près juste au Québec, je pense, c'est le CISO. CISO, c'est le Centre international de solidarité ouvrière, qui est autour de la table du CISO, ce ne sont que des organisations syndicales. Et ces organisations syndicales mettent en commun pour s'assurer qu'on puisse mettre ensemble des militantes, militants de différentes organisations, les envoyer une semaine en solidarité internationale, ce qu'on appelait les stages de premier niveau. Alors, c'est une prise de conscience, c'est une éducation politique très claire. Ces gens-là, quand ils retournent dans leur milieu, ils ne peuvent pas retourner pareil. Quand on a soutenu un peu la lutte des étudiants, même si à peu près toutes les organisations syndicales ont été critiquées, mais nous, on l'a fait parce qu'on a dit, pour nous, leur lutte, elle est juste, on comprend, et s'ils ont besoin de soutien, on va faire notre part. On les a aidés de cette façon-là. Un groupe comme au bas de l'échelle, là, qui sont vraiment avec les non-syndiqués, des gens qui sont dans des emplois souvent précaires, mais qui en même temps réussissent à donner de l'éducation, à faire de la formation, c'est chaque année qu'on va aider des groupes comme ça. Pour nous, on est privilégiés, puis à un moment donné, c'est une façon de partager aussi, là. Être frappé, là, par les différents gouvernements, ça fait partie de la game politique. Ce qui est important, c'est qu'on s'est relevé à chaque fois. Et il y a quelque chose qui s'est passé en 1989, la première grève qu'on a faite, FIC, qui était née 2 ans plus tôt, jeune organisation, la négo de 89 et la grève en 1989. Dans la loi matraque qu'ils nous ont imposée en 89, oui, il y avait le retrait de la formule Rennes, mais ça, on s'en est rapidement sorti parce que tous les syndicats d'infirmières à travers le Canada nous ont dit « Votre lutte, elle est juste. On va vous envoyer des millions, vous ne leur remettrez quand vous pourrez. » Mais ce qui m'a le plus marqué comme exemple de solidarité, dans la loi, on nous enlevait 1 année d'ancienneté pour chaque journée ou partie de journée de grève. C'est comme ça qu'ils voulaient nous casser, parce que cette loi-là devait créer la division entre les membres d'une même organisation, créer la division entre les mêmes salariés, puis c'est juste des infirmières à l'époque à la FIC, entre les infirmières elles-mêmes dans chacun des établissements. Ce qu'on a fait, on a dit parfait, c'est ça qu'ils veulent faire, on va le contourner. On a chaque local syndical dans tous les établissements du Québec, il y avait ce qu'on appelle l'engagement moral. À travers la province, là, tout le monde a signé l'engagement moral. Ce que ça voulait dire, c'est que si j'obtenais un poste, puis ça, ça a duré 4 ans, 5 ans, hein, si j'obtenais un poste et que c'était vous qui deviez l'avoir, parce que, et vous ne l'avez pas parce que vous avez perdu des années lors de la grève, je me désistais du poste pour que vous ayez le poste. Ça a duré pendant des années. Et les gens, les infirmières de l'époque qui n'ont pas suivi l'engagement moral, il y a les doigts d'une main à travers la province. Ça, pour moi, quand on parle de solidarité, c'est concret. Et c'est pas mince, parce qu'il y a des centres d'activité où on attendait, on accumulait notre ancienneté pour y aller. Moi, là, j'attendais d'accumuler l'ancienneté parce que je voulais absolument travailler en maternité postpartum. Ça aurait été une très belle occasion de passer par-dessus vous pour avoir mon beau poste tout de suite en maternité postpartum. Mais je me désistais parce que je voulais qu'on respecte la vraie ancienneté. Alors, quand on voit qu'il y a certaines choses pour nous qui sont épidermiques, par exemple, le respect de l'ancienneté, ça vient de notre histoire aussi. Alors, c'est vrai qu'en 89, ils ne se sont pas gênés, ça a été l'enfer. Quand on regarde tout ce qu'ils ont mis en place, c'était pour casser cette jeune organisation-là. C'est clair. La même chose, ils se sont essayés en 99. Là, ils n'ont même pas enlevé des années d'ancienneté parce qu'ils savaient que ça ne marcherait pas, on l'avait contourné, mais ils ont encore essayé avec la formule Rennes et encore les syndicats d'infirmières à travers le Canada nous ont prêté de l'argent pour qu'on s'en sorte parce qu'ils n'en disent pas vrai. Il y a des hypothèses. Alors, il y en a plusieurs, entre autres au Canada anglais, qui disaient c'est parce que vous êtes un groupe de femmes puis que vous dérangez puis vous vouliez faire la révolution au Québec. Ils ont dit on va les faire taire, ces femmes-là. Je pense pas que c'est ça. Mais à la blague, on peut bien se le dire. Mais je pense qu'avec l'appui de la population, probablement qu'il y a des gouvernements qui ont eu peur de jusqu'où on aurait pu aller. Combien de temps est-ce qu'on aurait pu tenir? Et je pense qu'il n'y avait pas envie de vivre ça, là. La dernière fois, avec M. Bouchard, c'est quand même 23 jours de grève. 23 jours de grève, et c'était tellement fait de façon respectueuse qu'il n'y ait pas un patient qui en souffre. Ils n'ont pas été capables de nous trouver une petite affaire. Oui, il y a un prix à payer quand on est syndicaliste. Oui, à certains moments, on nous regarde comme des hurluberlus. Personne n'a jamais vu finalement c'était quoi un hurluberlu. Fait que comme traite d'hurluberlu, c'est pas si grave. On sait pas que ça a l'air pour vrai. Fait que c'est ça. Mais puis en même temps, souvent, des fois, je disais ben pourquoi être comme tout le monde? Finalement, tout c'est bien de différent. Soyons syndicalistes.